Mon colonel, bonjour. Bonjour. Quoi le photographe ici? Bonjour général, qui vous êtes? Je suis le général de l'Union syndicale. Vous avez assisté à la mise en place la rentrée inaugurale du CNT. Vous avez suivi les discours. Quels sont vos sentiments? Aujourd'hui, nous avons un sentiment de satisfaction car nous énergies avons promis la mise en place du Conseil national de transition qui va légiférer et établir tous les textes du régime sans fonctionnement de la parité. C'est pour cette raison que nous entendons par la soirée. Et nous restons en place pour aller vers l'indépendance.
Ça va bien. Vous qui êtes syndicaliste, quelles sont vos attentes? Bonjour, Marie. Nos attentes, c'est d'établir des textes de loi, des textes sociaux qui vont dans les conditions d'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Mais aussi, faire des lois qui peuvent être appliquées sur l'ensemble des travailleurs guinéens. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est notre attente aujourd'hui. Je voulais profiter aussi de vous dire que nous sommes représentés au sein de cette institution par nos camarades de travailleurs désirés de représenter la classe. Nous pensons que les intérêts des travailleurs guinéens sont valables pour défendre au sein de cette institution. Allons-y.
Merci beaucoup de cette opportunité. Vous avez une chimie différente de la délégation internationale, de l'État, des diplomates africains, occidentaux, et également portugais. Ces personnes qui ont fait la délégation, cela montre à quel point les attentes sont grandes. Cela montre que chacun de nous doit être très engagé, travailler, doit mettre la Guinée au-dessus de tout le reste pour produire les résultats qui favoriseront l'émergence d'une nouvelle Guinée, une Guinée où il y aura moins de corruption, une Guinée où les institutions seront au service du peuple et de la démocratie. Une Guinée réconciliée avec elle-même. Je pense que c'est des actes plus importants. À cela s'ajoute la contribution du CNT au respect et à la promotion des droits humains. Je pense que nous allons faire tout le nécessaire pour que les attentes ne soient pas déçues. Merci. Merci, monsieur. Conseil national. C'est okay. Monsieur Kaba, vous élevez la voix. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui vous êtes? Vous avez assisté à la cérémonie inaugurale du CNT aujourd'hui, vous sortez de la rencontre. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous tirez des discours des différentes interventions, surtout le discours du président du CNT? Je crois que le discours du CNT est un discours teinté de beaucoup de motivation, d'engagement, de l'exemple, de sincérité. Kaba, l'inquiétude des opinions aujourd'hui, c'est par rapport à cette question de durée. La durée, vous savez, ce qui est plus important, ce sera le contenu. C'est le contenu qui va déterminer la durée de la transition. Et je pense maintenant que le CNT a été mis en place. En fonction de cela, ça va permettre également aux populations de savoir quelle sera la durée de cette transition dans un certain temps. Cela va découler des travaux qui vont être déclinés en deux. Des travaux de session, notamment vous avez dit tout à l'heure, là ils ont été interpellés pour le même projet. Merci, monsieur Kaba. Merci. Bonjour.
Monsieur Kaba, vous venez d'assister à la cérémonie d'installation de membres du CNT. Quelle lecture faites-vous? Rappelez-nous votre nom, monsieur. Mohamed Kaba. Membre. Mohamed Kaba, conseiller national du CNT. Ce CNT est mis en place, ce CNT est déjà placé, le CNT est déjà là, mais dites-nous réellement cette question. On parle de femmes dans le conseil, n'est pas le forum de demander est-ce que quelque chose que vous inquiétez un peu déjà. Quand ils ont divisé les peuples en Guinée, quand ils ont partagé les peuples. Les opinions s'inquiètent. Président, on va faire un petit peu de temps.
pas aussi enchaîné. Monsieur le Président, les opinions s'inquiètent déjà. Monsieur, ça va?